ont été mis au jour pendant les fouilles archéologiques, qui ont été datées en fait entre le 15e siècle et le 19e siècle, donc qui permettent de mieux comprendre la vie quotidienne des Alençonnais de ces périodes-là. Alors vous avez par exemple, pour les vestiges les plus anciens, un petit couvercle en céramique qui a été retrouvé ici, qui est daté du 15e siècle. On a également une lampe, un pied de bougeoir qui a été également mis au jour pendant les fouilles. Et pour les vestiges plus récents, vous avez ce petit flacon en céramique qui a été découvert, donc qui lui serait daté plutôt du 18-19e siècle. On a également une belle bouteille en verre qui a pu être trouvée, qui elle a été datée du milieu du 18e siècle. Donc voilà, donc tous ces éléments nous permettent de mieux comprendre le vaisselier et la vie quotidienne en même temps des Alençonnais. Est-ce qu'il y a d'autres objets qui ne sont pas encore exposés ici ? Oui, on a quelques objets métalliques également qu'on a découverts, mais qui sont essentiellement liés aussi aux occupations, on va dire, entre le 17e et le 19e siècle du secteur. Pour l'occupation médiévale, les objets les plus intéressants sont ici, sachant qu'on a, on a plusieurs caisses autrement de céramique qui sont également en cours d'étude.